T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour ce cinquième et dernier épisode de mon Let's Play sur le jeu Stellaris Nouvelle Formule. Dans le dernier épisode, nous avons essayé d'attaquer quelques ennemis spatiaux. Ça s'était à la fois bien placé et à la fois mal passé. Du coup, entre le précédent épisode et celui-là, j'ai refait nos troupes qu'on avait perdues la dernière fois, j'ai un petit peu amélioré l'Empire, j'ai fait quelques petits trucs que je vais vous expliquer. Bah, dès qu'on sera en jeu, c'est-à-dire dès maintenant. Donc voilà, nous sommes en jeu, j'ai refait une flotte qui attaque à 846, qui est plutôt pas mal, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai d'ailleurs débloqué normalement de nouveaux éléments pour le concepteur de vaisseau, notamment des blindages ainsi que des réacteurs de fusion de meilleur niveau. Du coup, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est... Hop. Voilà, le blindage de nos composites, c'est pas mal. Propulsion par distorsion, je regarde si j'ai pas débloqué de nouveaux trucs. J'ai aussi débloqué de l'autocanon, mais je sais pas si c'est mieux. Attendez, c'était à combien avant? 7,98. Et ça sert à quoi, essentiellement? Type cinétique. Ok, ça m'a l'air d'être bien, je pense qu'on va... On va changer de modèle, je vais refaire un petit peu les modèles, on va les upgrade, comme ça ira vite. Donc, modèle R1, donc on avait dit qu'on se basait sur la mythologie grecque, on va le mettre modèle Dionysos. Je crois que j'ai inversé le Y et le I là. Ouais, c'est mieux. Ok, donc le modèle Dionysos, c'est bon. Je vais peut-être en pause en attendant. Non, non. Eh, oh. Voilà. On est bon, le Dionysos. Maintenant, le Destroyer. On a peut-être des trucs à rajouter, genre... masse de blindage, ce qui augmente les points de coque. Non, là, peut-être qu'on en aura viré trop. Voilà. Nickel. En plus 15 de dégâts, je vais regarder ce qui se passe si j'enlève un petit peu et que je mets autre chose. Aïe, c'est pas mal. Genre, on va essayer de mettre 2-2. Ouais, ça peut être bien. Ça va me coûter beaucoup plus cher, mais ça peut être bien. On va sauvegarder, on va l'appeler... La mythologie grecque, je cherche. 2 secondes. Athéna, hein. Facile, pas chercher trop loin. Je vais pouvoir upgrade. Ah, je peux pas les upgrade. Ça arrive, je sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive que je peux pas upgrade les flottes. Alors que j'ai fait de nouvelles versions. Oui, bon, les anomalies, tu peux y aller, surtout avec un risque de 2%. Alors, quelles sont tes compétences? Vitesse éclair, évitement, vitesse sublimée, vitesse de combat, cadence de tir, espérance. Toi. Hop, c'est bon. Bon. On va dire qu'on est à peu près bon. Hop, je virais ça. On va pouvoir essayer d'attaquer les saloperies qui traînaient encore dans le système de Polgora. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de s'occuper de ces merdouilles. Et si on y arrive, ça sera bon. Voilà, donc on va faire, je pense, une petite coupure le temps qu'on y arrive. Alors, nous sommes en combat. J'ai trouvé aussi un truc lors d'un projet de recherche, un truc un petit peu con.
c'est que j'ai récupéré une nouvelle flotte, j'ai récupéré un croiseur, un gros croiseur qui fait beaucoup beaucoup de dégâts, que je suis en train de ramener gentiment jusque-là. Il va mettre un peu de temps à arriver, ce qui est un peu dommage. Parce que là, du coup, ils viennent d'engager le combat. Là, non, c'était pas ça que je voulais faire. Allez, c'est parti. C'est parti. Normalement, on est quand même un petit peu plus performant. Oh, on peut tirer vachement loin en fait. Bon, par contre, on n'est pas la meilleure précision du monde, surtout vu de cette distance. Wow, ils se font un peu pourrir. Dans l'idéal, j'aimerais que nous, on perde pas d'unité. On a perdu notre corvette. C'est pas génial les corvettes, hein. Allez, on va les finir. Ok, donc ce combat c'est bien fait. Il s'est bien passé, on a perdu une corvette, on n'a pas perdu de destroyer. On a plutôt bien bourriné et en face ils ont été écrasés. Du coup, nous on va faire la même mais avec eux. Comme ça on pourra libérer un petit peu ce système. Et enfin, le coloniser, voilà. Ce qui est une très bonne nouvelle. Où est ma seconde Starfleet? Je vais peut-être l'amener jusqu'ici. Parce que c'est pas comme si ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas colonisé la planète, mais presque. Et ça commençait à devenir un peu urgent. Bon, là, on est plutôt pas mal. Le truc, c'est qu'en face, les Saphir Lurkers, ils ont quand même beaucoup de dégâts. On va voir ce que ça va donner. Ok, d'accord, ils viennent de se faire pourrir une esquille. C'est vrai qu'on a quand même considérablement plus de puissance de feu. Sauf quand ils commencent à se rapprocher. Quand ils commencent à se rapprocher, c'est un peu la merde. Ça va qu'ils sont pas très intelligents et que nous non plus, hein. Par contre, quand tu regardes bien, la bataille elle dure plusieurs mois, c'est chaud. Le mec il tire 3 missiles par jour, après il s'arrête. Voilà, on a libéré un petit peu ce système. On a libéré le système, ce qui va nous permettre de demander à. Ah merde, qu'est-ce que tu fais avec les flottes hostiles là? Ah, c'est une petite flotte. Oh, il devrait y arriver. Il devrait pouvoir se barrer, c'est pas un problème. Donc, je disais, il me faut un vaisseau scientifique. S'il te plaît, peux-tu revenir? Non, toi t'as encore du boulot à faire. Toi, est-ce que tu pourrais revenir là et t'en occuper? Voilà, et projet de recherche aussi. Il va mettre un peu de temps à arriver. De mon côté, moi, je vais lancer la construction d'un vaisseau colonial. Pour en avoir vraiment besoin. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Regarder un petit peu ce que je pouvais améliorer sur certaines planètes. Donc là, ça nécessite la capitale planète Terre. On a combien? Deux? Ouais. Je regarde un petit peu ce que je suis capable de faire, mais actuellement sur les... Ah si, j'ai encore des trucs à déblayer ici. J'allais dire sur la surface, j'ai plus rien à faire, mais en fait si. Je peux au moins déblayer tout ça. Que ma population puisse s'installer. D'ailleurs, je regarde, mais... J'ai pas assez de nourriture. Bon, tant pis. Faudrait que je puisse faire les fermes hydrophoniques de niveau 2. Faudrait que je développe la technologie, sinon ça va pas aller. Ok, donc là, petite coupure, le temps que tout s'installe et que je puisse envoyer un vaisseau de colonisation sur
la planète de ce système. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai fini le vaisseau de colonisation, donc on va vite l'envoyer sur ce système. Deuxième chose, il y a mes alliés de la Fevarian Regime qui ont installé une planète ici, ce qui fait que leur, leur influence s'étend. J'espère qu'il va pas trop s'étendre le temps que je puisse arriver à choper le système, ça serait cool. J'ai aussi établi la communication avec un nouveau truc, le Commonwealth of Gavaskul, qui ont l'air plutôt sympa, donc ils m'ont pas trop fait chier, en plus ils sont loin, donc ça devrait aller. On commence à voir quand même l'apparition de beaucoup d'empires, hein. Ça commence à être de plus en plus étriqué par ici. J'espère que on va pas trop avoir de problème d'ici là. Donc faut vite que j'aille sur ce système, faut vite aussi qu'il soit étudié. Ou je m'installe tout de suite, je peux m'installer tout de suite. Parce qu'il y a un système de type... La planète n'a pas été reconnue, merde. Où en est mon vaisseau colonial qui est censé venir jusqu'ici? Il arrive, ça va être un peu long. Bon, ok, d'accord. Le temps qu'il arrive, ça va être un peu long. S'il est obligé de faire tout ça. Je commence à avoir un sacré empire, hein. Au niveau de la taille, c'est un petit peu grand maintenant. Un petit peu. Mais bon, c'est assez impressionnant en fait. Quand on prend un peu de recul, là, c'est assez impressionnant, je trouve. La taille de... Ah bah voilà, ferme hydrophonique, j'en avais besoin. La taille de cet empire... Enfin, de ces empires, tout ça, c'est monstrueux, hein. Par rapport à nous, ce qu'on connaît de la taille de notre propre galaxie, c'est considérablement monstrueux. Déjà, ne serait-ce qu'aller à Proxima du Centaure. Ah, ils font des relations de paix, tout ça. Nous, on a fait aussi quelques relations de paix, aussi quelques relations commerciales, ce qui nous a permis d'obtenir toute la carte de cet empire-là. Ce qui est plutôt pas mal, même si ça servira pas à grand-chose. Donc je disais à propos de Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche de notre système solaire, donc en fait le système le plus proche du nôtre, c'est déjà quand même une petite année-lumière si je me souviens bien, ce qui est long, ce qui est particulièrement long. Donc si on connaît pas la vitesse subluminique, on n'y arrivera pas, et pour l'instant c'est considéré comme étant impossible. La vitesse subluminique, parce qu'on se base sur la théorie qu'on rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc t'en es où? Allez, ramène ta fraise, il me faut que tu m'étudies ces planètes, que je puisse m'en occuper. Parce que je veux bien meubler pendant des heures et des heures, mais au bout d'un moment, je commence à plus rien avoir à dire. Allez mon coco. Je pense qu'on va s'occuper de celle-là, parce qu'elle a quand même 21 tuiles. Sachant que celle-là est à 14 tuiles. Même si bon, celle-là n'a l'air d'être qu'à 60% potentiel d'habitabilité. On va quand même s'en occuper. Allez, go. Alors... Construction complete. C'est Tipar. Le petit vaisseau colonial qui vient s'installer. En plus, on aura énormément de trucs pour la recherche, pour les installations de vaisseaux, tout ça, de construction. Oh la vache, 6. On va en avoir pas mal des recherches sociétales, c'est cool. Allez, c'est parti, on peut commencer à s'installer sur ce système. Ah, j'ai une transmission qui arrive. Ok, pack de noms d'agression avec le Commonwealth of Gavaskul. Qui sont d'ailleurs des sortes de chèvres un peu bizarres. C'est tout? T'as avec ça à faire dans ce système? Oh bah putain. Ah non, c'était pas lui. C'était lui. Ouais, d'accord. Ça fait peur. Je les fais pas du tout dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Voilà, continue d'observer l'univers, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à voir dans l'univers. Ok, on aura ça à faire. Ah, cool. Les débris qui sont analysés, donc ça c'est pas mal aussi à faire. Il y a les élections pour le nouveau chancelier qui sont là.
D'accord. La rivalité avec le Commonwealth. Donc, nouveau chancelier, d'accord. Oui, les promesses n'ont pas été tenues, je suis désolé. Ah, bah voilà, on va pouvoir lancer plein de trucs. Ok. Oula, 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 il y a plein de trucs. Inactivité, nous avons des papas inactives. Ah oui, toi. Pourquoi ça migre? Ah oui, d'accord, revenu négatif. Donc ça crée un peu du boudin. C'est vrai qu'on a encore la colonisation qui nous coûte pas mal en énergie. Les crédits énergétiques, là, je suis pas très bien. Hein. J'ai plein de trucs à virer. Hop. Voilà, on va cleaner un peu le log. Parce que c'est pas tout ça, mais il y avait beaucoup de choses. Toi, je sais pas où t'envoyer en fait. Parce que là-bas, je peux pas passer. Et là-bas, ça commence à faire un peu loin. Bon, tant pis. Hein. Mais non, là je l'ai déjà envoyé. J'ai envoyé là-haut. Voilà. Station minière. Ensuite, je vais t'envoyer rechercher, faire installer des trucs ici. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Oui, il faut peut-être que je relâche la pause. La pause peut aider. Bon, bah tout ça, c'est très bien. On va du coup bientôt arriver au terme de notre let's play. Hein. Donc je vous aurais pas montré pas mal de choses en fait, parce qu'il y a encore masse trucs. Ok, il faut plein de packs dans tous les sens. Il y a encore masse trucs. Il y a la politique avec des décrets pour augmenter certaines choses. Ah. Oui, le pack défensif. Ok, je suis d'accord. Il y a les décrets qu'on peut réaliser. Ouais. Ça c'est quoi? Régénération mensuelle des coques. Peu laboratoire, ferme hydrophonique orbitale. Et la capacité navale. Capacité navale, ça peut être bien. Donc, je disais à un moment que il y a les politiques et décrets qui nous permettent de donner en fait une direction à l'Empire. Et en même temps d'augmenter des bonus pendant un certain temps. Par exemple, ça permettait d'augmenter ma vitesse de recherche en société. Donc là, je suis à plus 23, je pourrais le monter à beaucoup plus, vu qu'il y aura plus 30. Ça me coûterait mensuellement de l'influence. Et en même temps, ça diminuerait mes recherches en vitesse en physique et ingénierie. Donc, en soi, on pourrait lancer tous les trucs, les vitesses de recherche ingénierie physique, ce qui permettrait de lancer en fait. De lancer plus de 20% sur toutes les recherches, sauf que ce faisant, je perdrais pas mal d'influence. C'est à réfléchir. Il y a beaucoup de choses à réfléchir comme ça sur tout le long. Il y a pas mal de choses à faire, notamment au niveau des espèces, parce qu'on peut installer on peut installer de nouvelles espèces un peu partout. Ah, les colonies. La bonne colonie qui est là. C'est bon. Donc on peut faire venir de nouvelles espèces dans notre empire, ce qui peut aussi nous permettre de les réduire en esclavage, de les intégrer à notre empire de manière pacifique. Il y a plein de choses possibles à faire, c'est assez foufou. Et j'aime beaucoup, le problème c'est que voilà, en 5 épisodes, je ne pouvais pas tout vous montrer non plus. Le planificateur d'extension, je sais pas trop à quoi il fonctionne, enfin comment ça fonctionne. Il y a plein de choses possibles à faire, notamment je ne vais pas parler des bâtiments spéciaux à placer sur certaines... Sur certaines planètes, il y a encore plein de trucs à faire. Anomalie, hop, on peut lancer, c'est à 12. Je vous ai pas non plus montré les guerres, comment elles se font. Les factions internes, on n'en a pas. Ils font plein de packs dans tous les sens. Je vous ai pas montré pas mal d'aspects du jeu. Les guerres, c'est aussi assez sympa, même si, bon, à mon niveau, quand on regarde les... merde, c'est où? Construction complete. C'est où? Ah, c'est contact. Quand on regarde les contacts,
on voit que j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai que des empires équivalents ou supérieurs par rapport à moi. J'ai raté mon exploration. Construction complete. Donc du coup, c'est vraiment... Il faudrait pas que je m'attaque à des empires de cette taille-là. C'est un peu risqué, surtout quand il y a des packs défensifs dans tous les sens. Voilà, on voit qu'ils ont des packs défensifs partout, 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 partout. Du coup, faut éviter. Il risquerait d'y avoir des problèmes si je me lançais dans des actions de conquête. Du coup, là, ce qu'il faudrait que je fasse, techniquement, c'est continuer d'augmenter mon empire, augmenter ma flotte, en prévoyance d'un gros roulé sur un ou deux empires. Genre, par exemple, celui-là, le Faverian Régimé, on voit qu'il n'arrive pas à s'étendre correctement, même s'il a une planète de plus que moi. Il a un problème, parce qu'il est coupé en deux, donc je pourrais le rouler sur une panne, récupérer une panne. Ensuite, je pourrais l'exploser, exploser Faverian Régimé, même si, si on regarde bien, il a conclu un pacte défensif avec Promulgavar Sovereign Wars. Donc c'est eux, je crois. Oui, c'est ça. Et le Commonwealth of Gavazult. Du coup, voilà. Wow. J'ai trouvé un nouvel empire. Ce sont des isolationnistes militants et c'est encore des fungus? Wow, leur planète avec les vaisseaux qui volent, là, c'est vachement cool. Ouais, d'accord. Ils ont pas l'air sympas. Moi, je voulais me trimballer au côté d'un trou noir, mais en fait... Wow, cette planète! J'avais encore jamais vu des planètes comme ça. Hey, c'est super cool! Le noyau en fusion qui est à l'extérieur, c'est à poil, un petit peu à poil la planète. C'est vachement cool. Il y a plein de trucs à faire, je vous ai pas non plus montré certaines recherches avec d'autres qui permettent des capacités assez fofolles. J'ai un bâtiment inactif. Ah oui, ils sont barrés carrément. Ils sont carrément barrés. Je crois qu'il n'y avait plus assez d'énergie pour faire tout tourner. Ils se sont juste barrés. Donc moi, il faudrait aussi que je m'occupe un petit peu de l'énergie là. Pas assez d'énergie sur ce que j'installe. System survey complete. Alors, l'énergie. J'ai peut-être installé trop de trucs là. Bon, c'est pas très grave. L'énergie, l'énergie, l'énergie. C'est vrai que j'ai pas les bâtiments énergétiques de niveau 2. Ah oui, la capitale planétaire est nécessaire. Ok, bon, on va attendre encore. Comme ça, on pourra tout lancer. Ouais. Donc c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de possibilités. Vous le voyez hein, au fur et à mesure. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, même s'il y a une tendance à ce que ça se répète pas mal sur certains aspects, notamment bah, la recherche, l'exploration planétaire, l'expansion, tout ça. En fait, les moments intéressants n'arrivent que dans le late game. Quand vous commencez à avoir vraiment des gros empires avec plein de trucs partout, là, ça commence à devenir vraiment intéressant et ça commence à avoir des inter il commence à y avoir des interactions vraiment très cool. Et c'est là que je trouve que le jeu prend tout son sens, prend tout son sel lors de ces grandes bastons interplanétaires, intergalactiques. C'est vraiment très très cool. Et si je n'ai encore jamais réussi à gagner de partie, parce que c'est quand même pas si simple, il y a moyen de faire des trucs vraiment magnifiques. Il y a moyen de faire quand même des sacrés trucs et c'est pour ça que je vous conseille vraiment ce jeu si vous êtes... Si vous aimez bien les jeux de stratégie, un peu gestion planétaire, les 4X, quoi, interplanétaire, je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Donc c'est sorti en 2016. C'est vraiment un très très bon jeu. Et qui prend son temps. Moi j'aime bien aussi jouer en vitesse normale, en continu, de manière à voir tout évoluer. Oula. Il y a mes. J'ai des recherches à faire. Donc déflecteur amélioré. La boîte physique où révèle la ressource. Ok. Bon, ça, on a que ça, un peu que ça à faire.
Spaceport niveau 5 qui permettrait de débloquer le croiseur. Le croiseur. Plaquage de cristaux imprégnés. Ouais, complexe d'ingénierie 2. C'est long, mais bon. Donc voilà, c'est pour dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu. Je regarde, on est à une demi-heure d'enregistrement. Et là, je pourrais pas me lancer dans un... dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Du coup, je pense qu'on va arrêter là l'épisode et ce let's play. Parce que... tout simplement parce que je ne sais pas vraiment ce que ça va donner au visionnage. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en fait dans les commentaires de la vidéo. Parce que c'est... ouais. Juste deux, trois petits trucs. Hop, voilà. Je vais essayer le jeu en pause. Voilà, voilà. J'espère que ce let's play vous aura plu. Il est assez expérimental. Il y a à la fois des trucs qui ont changé avec l'apparition de la webcam, tout ça, le fait que j'essaie de faire un peu plus de cut dans les vidéos. Il y a à la fois des choses qui n'ont pas vraiment changé, parce que le concept derrière reste le même. Mais aussi, je savais pas trop comment vous allez accueillir ce let's play sur Stellaris. Et je pensais pas me lancer dans un let's play complet sur tout le jeu, enfin sur toute une partie jusqu'à la victoire ou la défaite. Donc j'ai préféré en faire un épisode, enfin une saison de 5 épisodes, ce qui vous permet de montrer un petit peu comment se joue le jeu. Et si ça vous plaît pas, si c'est pas bien pour le visionnage, ben on arrêtera là. Hein. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo et je ferai une suite. Y a pas de problème, je peux faire une suite dans le même genre ou alors avec des corrections. Hein. Bien entendu, si je vois qu'il y a des trucs qui sont mal passés, que vous m'avez dit dans les premiers épisodes, je les changerai pour la seconde partie du let's play. Mais n'hésitez pas vraiment à me le dire. Si c'était pourri, dites-le moi aussi. Enfin, si c'était pourri, si c'était pas cool à visionner, dites-le moi aussi. Si c'était pourri, bah, je serais vraiment déçu parce que je pense que c'est quand même plutôt sympa. Voilà, et sur ce, je vais vous retrouver dans quelques jours pour un tout nouveau let's play qui sera encore différent dans la façon de faire. Je vais essayer, je pense, de maintenir la webcam parce que je trouve ça cool. Même si je la mettrai pas tout le temps, peut-être que tout le temps c'est un petit peu trop. Bon, sur ce genre de jeu, comme il y avait une partie de l'espace de visionnage qui servait à rien, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et puis la petite intro, la petite outro en vidéo, je trouve ça bien aussi. J'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et puis donc je vous disais, on se retrouve dans 4 jours pour un tout nouveau let's play, où j'espère que j'aurai corrigé les problèmes que vous m'aurez dit, même si je pense que j'aurai pas eu le temps de les corriger, étant donné que je vais sans doute tourner les vidéos en avance, donc bah, je n'aurai pas vos retours sur ce let's play avant quelques temps. Mais voilà, j'espère corriger 2-3 trucs déjà en regardant ce let's play pour moi, pour regarder en me disant... ça, il y a une chose qui n'allait pas, là il y a une chose qui n'allait pas, tout ça. Je vais essayer de corriger tout ça pour le prochain let's play. Voilà, et puis comme je vous ai dit, on se retrouve dans 4 jours pour ce nouveau let's play. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous.